Je viens de trouver du travail, mais je n'ai pas de moyens de déplacement pour m'y rendre. Jusque-là, le département m'a accompagnée avec l'allocation RSA. Le département peut-il encore m'aider ? Le département est le principal acteur de l'insertion. Ainsi, il attribue les allocations RSA et met en œuvre des actions pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Parmi les freins à l'insertion, le déplacement est un problème. 50% des personnes en insertion ont déjà refusé un emploi ou une formation pour cette raison. Ainsi, pour faciliter les déplacements, le département a mis en place 6 plateformes mobilité. De quoi s'agit-il ? Des solutions mobilité adaptées à chaque situation, étudiées avec un conseiller. Les transports en commun accessibles, le déplacement à vélo grâce à la formation vélo-école, la location d'un deux-roues motorisé, la formation d'accompagnement collectif à la mobilité pour passer le code de la route, le passage du permis de conduire avec l'une des 5 auto-écoles sociales labellisées, et des aides ponctuelles pour réparer sa voiture ou en louer une. Se déplacer dans un département aussi vaste que la Gironde est un enjeu important lorsqu'on est dans une démarche d'insertion sociale ou professionnelle. Le département en est conscient. Avec nos partenaires privés et publics, le FSE, Fonds social européen, Pôle emploi et les communautés de communes, nous avons accompagné plus de 2700 personnes depuis 5 ans. Accéder à l'emploi et être autonome, le département le souhaite pour chaque bénéficiaire du RSA. Nous nous y engageons aux côtés des bénéficiaires.